Aujourd'hui, on est vendredi. Au programme, c'était trouver le cadeau d'anniversaire de ma maman. J'ai réussi en partie, mais pas totalement. En attendant, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai fait quelques petits achats. On va voir ça tout de suite. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo, première vidéo que je tourne après les vacances. On est vendredi, actuellement il est 14h35. Vous devez avoir cette vidéo à 17h30. Donc je vais me dépêcher de la filmer et de la monter pour vous l'ayez en temps et en heure. J'ai sorti mon t-shirt Friday Addict pour celles que ça intéresserait. Et je sais que je vais avoir des questions. Il vient de chez Shein. Normalement il y a un petit truc là en travers que moi j'ai coupé et qui est très joli. Voilà, petit t-shirt chez Friday Addict que je trouve sympa pour le vendredi bien entendu. Donc comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo, je devais trouver un cadeau d'anniversaire pour ma maman aujourd'hui. J'ai trouvé en partie mais j'ai échoué en partie aussi. Et du coup j'ai fait quelques petits magasins à Shopping Promenade à Amiens pour celles qui connaissent. Donc j'ai fait Action, j'ai fait Nose qui est dans l'ancienne zone du côté de Leroy Merlin, j'ai fait Muy Mucho, j'ai fait Gisque et Jardiland. Donc je vais vous montrer vraiment tout ce que j'ai acheté. Voilà, un petit haul comme ça, tranquillou bilou. J'avais envie de vous montrer un petit peu mes achats et ça peut être sympa pour une reprise de vous parler de tout ça. Alors première petits achats que j'ai fait chez Muy Mucho. Bon, je suis pas chez ces Columbus aussi, j'ai acheté des muffins cœur spéculoos pour ce soir avec mon chouchou. Alors, j'ai le ticket avec les prix, donc je vais pouvoir vous donner tout ça. J'ai pris un gant de ciseaux exfoliant à 1,50€ comme ceci chez Muy Mucho. Il y a plein de jolies choses chez Muy Mucho, franchement. J'adore cette enseigne, je trouve qu'ils font des trucs très sympas. Ensuite, l'article qui m'a coûté le plus cher, c'est celui-ci, c'est pour mon chéri. Alors, je vous en avais parlé récemment, il a des gourdes comment on appelle ça ? En verre, et le bouchon est en plastique. Et il me dit que ça sent bizarre et tout, donc on va essayer avec celle en métal. Donc celle-ci, elle se présente comme ceci, elle était à 13,99€. Donc vous appuyez, hop, vous avez un petit bec comme ça. Donc ça c'est cool parce que ça ferme bien. Et ensuite, ouais, bah vous tournez tout simplement. Et c'est vraiment du métal. Donc à voir si ça va lui plaire cette fois-ci pour éviter d'acheter des bouteilles d'eau. On verra bien. Peut-être qu'il va me dire, mais pourquoi t'as acheté ça encore? Enfin voilà. En attendant, si c'est pas lui qui s'en sert, ce sera moi. Elle existait comme ça et en un peu mauve. Mais je lui ai pris bleu parce que pour un homme, c'est plus sympa. Ensuite, j'ai pris ceci. Pur coton du... C'est écrit en français quelque part ou pas? Non. Oil essence, donc c'est une... Un liquide un peu visqueux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qui sent le pur coton. Ça, c'était au prix de... Alors, petit ticket de caisse, 5,99€. Et en fait, c'est pour remettre dans, je sais pas si vous vous rappelez, chez Muy Mucho, j'avais acheté un diffuseur de parfum cactus que je n'ai pas retrouvé cette fois-ci. J'ai même pas retrouvé la fragrance cactus ni quoi que ce soit. Donc, j'ai pris ça pour essayer de mettre dedans. On verra bien ce que ça vaut. Ça s'ouvre comment? Ça s'ouvre comme ça. Ça sent bon, ça sent le propre, donc pourquoi pas. À voir, j'essaierai avec ça si ça va ou si ça va pas. On verra bien. Ensuite, j'ai pris un petit verre parce que je l'ai trouvé hyper joli pour replanter un petit cactus. Donc c'est un petit verre qui se présente comme ceci, voilà, avec des espèces de petites croix ou des espèces de petites étoiles, c'est comme vous voulez. Celui-ci était au prix de, à la base pour eux c'est un bougeoir qui fait 7 cm, 1,90€ et ils emballent tout bien, donc ça c'est cool. Voilà, hop. Il y avait les gars, une promotion, je vais pas les faire tomber, sur des mugs. Ils étaient à 1,50€ au lieu de 3,90€. Et franchement, je me suis retenue parce que j'ai failli acheter les 4 modèles. Et je me suis retenue parce que je me suis dit, ton chéri va encore râler, il va dire... encore des mugs, t'en as assez, mais je pense que je vais en... Il y en a qui sont abîmés et tout. Donc je vais en enlever et j'ai pris ces deux-là avec des cactus. Comment voulez-vous que je les laisse? Ils sont magnifiques, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il y avait 4 modèles différents, les autres étaient des un peu plus vert, un peu plus vert green. Je sais pas si vous voulez, vert jungle, vous voyez, un peu plus foncé. Mais ceux-là, je les ai trouvés trop jolis, puis franchement, 1,50€... ça vaut le coup. Donc voilà pour Muy Mucho. Et aujourd'hui,
Attendez. Donc là pour Mimucho, j'en ai eu pour 26,53€. Et aujourd'hui en cadeau à Mimucho, il y avait à partir de 20€ d'achat, vous aviez un truc comme ça. Donc c'est Mikado Cherry Blossom. Voilà. Donc c'est leur fragrance à eux. Et en fait vous avez un petit diffuseur et des petits bâtonnets. Hop. Mini diffuseur parce que ceux qui vendent ils sont beaucoup plus gros je crois. Et les petits bâtonnets. Bah écoutez c'est sympa. Moi j'aime bien ces petits diffuseurs là. Donc voilà c'est mignon. J'ai trouvé ça mignon, je l'ai dit à la dame, c'est sympa d'offrir un petit truc comme ça. Et je crois que ça vaut quand même 5 ou 6€ cette petite chose. Donc c'est plutôt donc, pas voilà mal. Pour Mimucho. Ensuite, je vais faire Nose. Alors Nose, j'ai trouvé une pépite, je vous la montrerai à la fin. Déjà, j'ai commencé par prendre ce grand panier comme ceci. Ma mère adore les paniers et je me suis dit, elle adore le bleu. Donc je me suis dit que celui-ci allait lui plaire. Il était au prix de, c'est la marque Kazika Manja, on en trouve beaucoup chez Nose. C'est l'artisanat de Madagascar, il était au prix de 7,99€. Moi j'en ai déjà acheté un chez Nose, je suis désolée pour la luminosité qui va qui vient. Mais le soleil est revenu alors qu'il pleuvait comme je sais pas quoi il y a 10 minutes. Je vous disais donc, j'en ai déjà acheté un chez Nose comme ça. Franchement, ils sont très bien faits et ils tiennent bien le coup. Donc voilà, je lui mettrai plein de petites choses dedans. Voilà, ça c'était pour Nose. Alors, je vais prendre le ticket parce que je ne sais pas si je vais avoir le prix de tout. J'ai pris deux petits pots comme ceci. Il y avait plein de choses trop sympas. Oh, j'avais pas fait gaffe. En fait, ils ont un arrivage Haribo, de vaisselle Haribo, et j'ai trouvé ça trop mignon. Et donc j'ai pris, ils ont une manie de coller les étiquettes où il faut pas. Donc j'ai pris deux petits pots comme ça, identiques, parce que pour mettre des petites sauces ou des petits trucs comme ça pour l'apéro, c'est sympa. Et je viens juste de voir que c'était la vaisselle Haribo. C'est juste que voilà, j'aimais bien la petite phrase qu'il y avait décrit dessus. C'était 1,20€ le petit pot. Et en fait, c'est marqué « ça roule pour moi ». Et j'avais pas fait gaffe, mais il y a un petit bâtonnet de réglisse. Voilà, c'est mignon. Vaisselle Haribo. Voilà. Ça, c'est sympa, c'est pratique, ces petits trucs-là. Et franchement, les miens, la dernière fois, j'ai regardé, j'en avais plus que 3. Non. Il m'en restait un seul pour mes petits déjeuners du matin et il n'y en avait plus d'autres. Donc, bon, ça, c'est un peu petit pour les petits déjeuners du matin, mais vous allez voir, j'en ai pris ailleurs. Ensuite, j'ai trouvé ceci qui est très sympa parce que j'ai une boîte à... C'est une boîte à cure-dents. Et je crois que c'est la marque derrière la porte qui fait ça. Et c'est marqué « on partage un verre entre amis ». Voilà, c'est comme ça, petite boîte. Vous avez des petits cure-dents à l'intérieur. Et après, vous pouvez le remplir avec les cure-dents que vous achetez. Moi, vous savez, j'ai les boîtes à cure-dents en plastique transparent là, qui sont un peu moches. Mais je trouve que ça, pour m'amener sur la table, c'est plus joli. Et c'était 75 centimes. Donc ça, c'est mignon comme tout. Ensuite, j'ai pris également ceci à 1,99€. C'est marqué, c'est une petite... comment on appelle ça? Un pichet. Voilà, ça revient. Des grillades, un verre de rouge et des amis. Donc voilà. Très sympa aussi, j'aime bien cette petite chose là pour mettre le petit rouge dedans, je trouve que ça c'est sympa. Voilà, j'ai trouvé mignon à 1,99€, c'est sympa même pour mettre de l'eau et tout, ça peut être bien. J'ai pris des gâteaux, les petits épis sélection gourmande de la marque Lu, chocolat noir, graines de chia et quinoa soufflé. Comme ceci, alors ça il n'y a pas le prix. Est-ce que je vais trouver ça ici? 1,39€ pour cette petite chose là. J'ai pris ça pour mon chéri, je me suis dit que ça pourrait lui être utile. C'est des brosses métalliques, ils mettent idéal pour nettoyer les grilles de barbecue, ferronnerie ou toute autre surface métallique. Il y en a 3 dedans et je pense que c'est des textures un peu différentes, donc ça se présente comme ça. Voilà, des petites brosses comme des brosses à dents, mais spéciales, voilà. Donc, c'était moins 60% de 2,50€, je crois. Parce que en fait, les prix, là, c'est marqué décote moins 60%. Donc, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai payé ça 1€. Tout simplement, puisque... 2,50€ moins 1,50€, pour moi ça fait 1€. Donc j'ai payé ça 1€, c'est très bien. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors il nous en fallait un et à chaque fois on dit qu'il faut qu'on en rachète un, on le fait jamais. Là j'en ai trouvé un à Nose, il a l'air sympa. C'est 1,40€, c'est un sac isotherme pour mettre les bouteilles. Voilà, donc je pense qu'on le met dans le congélateur. Oui c'est ça, on le met dans le congélateur et on peut mettre la bouteille dedans après. Voilà, petit sac isotherme comme ça, donc vous laissez au congélateur et c'est marqué la plus fraîche des bouteilles. Voilà, 1,40€ pour ça, c'est pas mal et on en avait besoin, donc c'est encore mieux, hein, d'acheter quand on a besoin.
Ensuite, j'ai pris une boîte qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. À chaque fois, là je suis allée au Noce Damien et à chaque fois à Noce d'Optique Secours, je le vois aussi et je me dis non, je la prends pas, je la prends pas, je la prends pas. Et comme je vous ai dit récemment que j'allais refaire tout le bureau, je me suis dit que j'allais la prendre pour ranger plein de choses, ça va être utile. C'est une petite boîte en bois comme ça, toute simple. Et en fait, c'est marqué dessus les règles du bureau, respecter les autres, ne pas oublier la pause café, travailler ensemble, apprendre de ses erreurs, s'écouter les uns les autres, gérer son temps de travail, être attentif et parfois ne pas respecter les règles. Voilà, c'était 3,50€. Donc c'est vraiment une boîte hein, toute simple. Je vais regarder si je peux vous l'ouvrir. Donc voilà, elle est comme ça et ça s'ouvre comme ça. Donc vous pouvez ranger plein de choses, les tampons, pourquoi pas, tampons de société. Moi je sais que j'ai des tampons à payer, factures, tout ça. Ça peut être bien de mettre ça là-dedans pour pas que ça traîne sur le bureau. Essayez de pas la faire tomber, de pas l'abîmer. Ensuite, j'ai pris des soupes. Les soupes Knorr, soupes comme à la maison. Alors celles-ci, moi je les adore, je les achète en supermarché. Là, elles étaient à 99 centimes au niveau des dates. On est en octobre 2020, donc ce sera mangé avant. Ça peut être pour le midi, ça peut être pour un soir. J'ai pris champignons pointe de persillade, comme ceci. Et j'ai pris petits pois légumes verts pointe d'herbe de Provence. Donc voilà un petit peu, franchement 99 centimes ça vaut rien parce que je crois qu'en magasin ils sont à plus de 2€ ces petites soupes. Donc voilà, et elles sont vraiment très bonnes. Ensuite j'ai trouvé ça et je me suis dit que j'allais tester, c'est de la marque Net. C'est des tampons en fait, 100% coton bio, sans blanchiment au chlore, sans parfum et hypoallergénique. Donc moi j'ai pris en super parce que c'est ceux que j'aime, et il y a un applicateur compact, voilà. Des petits tampons, hein. 2,40€ les tampons. Et il y en a combien dedans? 16. Alors ça se présente comment? Écoutez, ça se présente tout simplement comme ça. Alors, il reste une petite chose pour chez nous. J'ai trouvé ceci, c'est une boîte à jambon. Alors ça peut servir pour boîte à jambon, ça peut servir pour boîte à charcuterie, ça peut servir pour boîte à des fromages, vous savez, les fromages plats et tout qu'on peut acheter. Donc voilà, j'avais un moment que j'en voulais une parce que j'en avais déjà une mais elle s'était cassée donc j'en avais pas racheté. Donc voilà, c'est sympa, c'était 1,75€ et elle est mignonnette. Dessus c'est marqué jambon y queso, ham and cheese, enfin voilà, plein de petits trucs. Je sais pas si vous allez bien voir mais voilà. Donc c'est made in Spain et c'est la marque egaogar.com. Okay, c'est sûrement un magasin qu'on retrouve par là. Et pour finir... chez Noz, j'ai pris deux carnets qui viennent de la marque Mr. Wonderful. Le premier, c'est celui-ci que j'ai pris pour moi travailler, s'enticher de ses propres idées, travailler avec enthousiasme et ne pas oublier qu'après la pluie, c'est le beau temps qui vient. Toujours, aujourd'hui, c'est un bon jour, Mr. Wonderful. Donc voilà, il était à 2,99€ et à l'intérieur, il me semble que c'est des petits carrés. Alors, je ne pourrais pas vous le confirmer là, mais il me semble que c'est ça. Ah, c'est peut-être des pages blanches sur celui-ci parce que là on voit des petits traits, là on n'en voit pas. Donc voilà, et le deuxième c'est le meilleur jour de la semaine, c'est aujourd'hui. Voilà, des carnets, moi j'en ai toujours besoin pour le boulot et ceux-là sont vraiment sympas et quand on sait ce que ça vaut normalement chez Mr. Wonderful, ces petits carnets, en général c'est 8-10€, donc ça vaut le coup de les avoir chez Noz. Voilà un petit peu pour Noz. Fini chez Noz, je vous dis des bêtises, j'ai acheté également une lessive super croix Maroc envoûtant fleur d'oranger lait d'amande, je l'adore celle-ci, elle sent trop bon. Celle-ci et la Bora Bora sont les deux lessives que j'adore le plus, c'était 7,25€ mais c'est le 3 litres donc franchement ça vaut le coup parce que je crois que c'est le prix du 2 litres en magasin. Et la dernière chose, ma fameuse trouvaille, j'ai trouvé des chaussures Vanessa Wu. C'est impressionnant quand même parce que les chaussures Vanessa Wu, ça vaut une blinde. Alors, je vais vous dire que tout au début, quand j'ai vu les chaussures, je me suis dit waouh, celles-ci, je ne peux pas les laisser, vous allez voir pourquoi. Et il y a eu un tic parce que c'était du 40. Mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit tant pis, je les prends, on verra bien. Si elles sont trop grandes, ben, je les revendrai. Mais franchement, elles sont magnifiques. Et vous allez voir, je vais vous dire le prix. C'est juste superbe. Alors, elles se présentent comme ceci. Elles sont bleues jean comme ça, avec de l'argenté et plein d'étoiles. Elles sont sublimes. L'intérieur est en cuir. Vanessa Wu, ça se... voilà. On sait très bien ce que vaut les chaussures Vanessa Wu. Ça vaut une blinde. Voilà. C'est vraiment des vrais. Hein. Franchement, je suis...
Je suis conquise, elles sont sublimes. Je vais essayer, j'espère qu'elles vont pas être trop grandes parce que sinon je vais être déçue. Normalement, franchement, moi je mets du 39 et on verra bien. On verra bien, mais c'est vraiment, c'est marqué à l'intérieur première cuir et tout. Enfin, je sais pas si vous allez voir, c'est marqué première cuir là au fond. Mais franchement, voilà quoi. Voilà, voilà. Bon, au pire des cas, je peux les changer, mais je pense que si elles ne me vont pas, je les mettrai sur Vinted. Et elles étaient au prix, les gars, de 7,99€. Ouais, 7,99€. Vous vous rendez compte? C'est juste impressionnant le prix. Il y avait des baskets aussi, mais franchement, elles ne me plaisaient pas, donc je ne les ai pas prises. Mais des chaussures Vanessa Wu à 7,99€. Ça m'en a coupé la chic. Je disais donc des chaussures Vanessa Wu à 7,99€. Franchement, vous ne trouverez pas ça ailleurs. Oh, ça, c'est j'ai dû changer la batterie. Je continue. On va passer maintenant chez Action. Action. Vous me connaissez maintenant. Les Cheetos, Big Chipito, parce que je les adore et que ce goût pour moi, c'est juste du bonheur, même si tout le monde me dit que c'est trop chimique. J'ai pris aussi des Chio Cheese, comme ceci. On va goûter, on verra bien ce que trouver cette donne. Magnifique petite chose que je vais offrir à ma maman pour mettre ses petits bijoux le soir quand elle les enlève. Il y a un petit oiseau doré comme ça, c'est une petite coupelle. J'ai trouvé ça trop chou et en XL 48-50 parce que je l'ai trouvé assez mignon. Alors je pense que ce sera pas un pantalon que je vais mettre pour sortir, mais plus pour rester à la maison le soir tranquillou. Donc c'est un pantalon, j'aurais peut-être dû prendre le L en fait. Bref, un pantalon style legging, mais style survêt en fait, puisqu'il est resserré au bas. Vous avez des petites poches, vous avez un petit cordon et vous avez sur le côté une petite ligne comme ça, blanc, noir et argenté. Voilà, il est trop chou franchement, il est bien. Moi j'aime bien ce style de pantalon pour rester à la maison tranquillement ou même pour le week-end, voilà, juste avec un petit pull l'hiver, ça peut être très sympa. Je vais le poser là-bas parce que je vais l'essayer après, savoir s'il me va, mais normalement il n'y a pas de souci. Ensuite j'ai pris un shampoing sec Baptiste, le Damage Control, donc celui qui est fait pour réparer un peu les cheveux entre guillemets, donc hop comme ceci. Ensuite j'ai pris des cotons organiques pads, donc des petits cotons à démaquiller comme ça, organiques. Donc pourquoi ils sont organiques, j'en sais rien, c'est marqué coton bio, voilà, coton bio. Ils sont peut-être un peu moins blancs que les autres, mais il m'en fallait, donc voilà. Pour Chouchou, je lui ai pris des applicateurs pads, alors il verra s'ils sont bien ou pas, mais lui il s'en sert pour la voiture. Et là c'était un lot de 3, 5, c'est des petits tampons applicateurs comme ça, vous voyez, hop. Et on peut s'en servir pour nettoyer l'intérieur de la voiture et tout, poser de la cire, machin, des trucs comme ça. Donc voilà, toujours pour chérie, pour la voiture, j'ai trouvé ça, donc je lui ai pris pour mettre dans sa voiture. Ah, ils sont lavables. Mince alors. C'est des lingettes microfibres, il y a 10 pièces à l'intérieur et je vois que c'est lavable, et ils font 22 sur 22. C'est de la marque Dunlop, vous voyez, c'est marqué washable. Voilà, des petites lingettes microfibres comme ça, c'est toujours utile d'avoir ça dans la voiture. Et il me semblait que c'était pas très très cher. Est-ce que j'ai fini avec chérie? Oui, non, j'ai pas fini avec chérie. Je lui ai pris ça aussi, une bombe de peinture noire pour jantes. Alors, je sais que chérie utilise beaucoup de la peinture noire. On s'en sert aussi pour repeindre les regards d'égout dans la cour parce qu'ils sont en métal, enfin en fonte. Et du coup, je lui ai pris celle-ci en noir pour jantes parce que je me dis que le noir pour jantes doit bien tenir sur le métal, donc par conséquent sur mes bouches d'évacuation. Je sais pas si vous... Donc voilà pourquoi j'ai pris ça. Ensuite, pour ma doudou chérie d'amour, j'ai pris des lingettes Pet Whips. Donc des petites lingettes comme ça pour essuyer les papates avec la pluie. Hein, c'est pratique d'essuyer les papates. Je lui ai repris des petits gâteaux comme ça à l'agneau que je lui avais déjà pris. Enfin des petits, ils sont un peu gros quand même, hein. Ils sont très gros comme gâteaux, mais elle avait adoré. Alors cela on les garde pour le dimanche matin quand on brunch avec chérie. On lui donne un petit truc comme ça, elle est contente. Mais en général on le coupe parce que sinon elle sait pas le manger. Et j'ai pris cela également parce que d'habitude je lui prends des os un petit peu moins longs et un petit peu plus larges. Il y a des trois couleurs je crois, avec un enrobage de l'art il me semble, et il n'y en avait pas, et là j'ai trouvé cela, et il me semble que Aurélie, la chaîne Aurélie, dit toujours que Naya les adore, donc on va tester ça avec Birdie, et c'est avec du poulet, c'est un petit os entouré de poulet à promener, donc on verra bien. Je n'ai clairement plus de place, je vais le mettre là, hop. Ensuite j'ai repris ça également
parce qu'à la maison on adore le hot mix spicy. Il y a plein de choses différentes dedans. Vous avez des cacahuètes, vous avez des cacahuètes enrobées, vous avez des trucs un petit peu plus asiatiques. Franchement c'est trop bon ça. Ça c'est trop bon, trop bon, trop bon. Hop, comme ceci, parce que je cherchais un masque noir. Oui, je cherche un masque noir. Il faut avouer les choses, on va être dans une période où à mon avis le masque, on va se le porter pendant plus d'un an. Donc après tout, hein, pourquoi pas trouver des masques jolis. Je vous avouerai que nous on en a, et celui-là je me suis dit bah j'allais tester. C'est de la marque Bolan Home Fashion. Je sais pas d'où ça vient, c'est Ecotex standard 100, c'est lavable, voilà. Donc je vais vous en montrer un, j'en ai pris deux mais c'est les deux mêmes, ils sont noirs tous les deux. Hein. À voir, bah écoutez, à voir, ça se présente, j'ai déjà ouvert. Comme ça, tout bêtement, vous avez les petits élastiques et bien sûr, hein, hop, vous l'ouvrez. À voir ce que ça donne porté, je vais les laver avant de les essayer, mais c'est un petit coton qui a l'air pas trop épais, donc ouais, ça m'a l'air pas mal. À voir, à voir, à voir, à voir, à voir, à voir. Je sais que je vais en agacer plus d'une, mais c'est pas grave. J'ai pris également des Oreos comme ceci, parce que c'est en sachet individuel. Moi j'adore les Oreos Golden, mais en général en magasin vous les trouvez en gros paquets, et les gros paquets ça sèche. Donc en petit sachet individuel comme ça, c'est cool. Et là on va passer au niveau un peu maison, ménage. J'ai trouvé du gel hydroalcoolique pour l'antiseptique des mains, donc de la marque Sanicure, comme ceci. Et ça c'est pour laisser à l'entrée de la maison, tout simplement. Alors j'espère juste, je vais tester, qu'il n'est pas collant. Parce que il y a des gels hydroalcooliques, il faut l'avouer, ils sont hyper désagréables. Je sais que chez nous c'est à Leroy Merlin, je crois. Non, celui-là ça va. Il est en liquide, donc ça va. Je crois que c'est à Leroy Merlin, il est immonde. Il vous colle les mains, ça vous fait des mains toutes collantes. Non, là, franchement, il est cool. Donc ça, ça va. Si vous le trouvez chez Action, vous pouvez le prendre, il est pas mal. Il est pas mal. Celui de Leroy Merlin, il est ignoble. Il est ignoble. Ils le savent, je pense, parce qu'ils mettent le rouleau à côté. Mais il est ignoble sur les mains. Il vous fait des mains... En plus, il fait les mains toutes douces, celui-ci. Il vous fait les mains hyper sèches. Il vous fait les mains poisseuses. C'est une horreur. Et si vous avez le malheur d'aller dans un autre magasin et que vous remettez... ça n'a rien à voir avec la choucroute que je suis en train de parler. Si vous remettez un autre gel hydroalcoolique, vous avez le premier de chez Leroy Merlin à Damien qui vous refait une espèce de papate dégueulasse sur les doigts. C'est terrible. Et pareil que les masques, on va devoir s'y habituer, donc autant trouver des biens. Ensuite j'ai pris de la marque Mariette Authentique, ça fait la première fois que je la vois sur chez Action. C'est du bicarbonate de soude. Alors moi je m'en sers dans plein de trucs différents, c'est quelque chose qui nettoie, qui dégraisse, qui détartre et qui absorbe les odeurs. Franchement le bicarbonate de soude, vous pouvez vous en servir dans plein d'endroits dans votre maison, aussi bien dans les toilettes pour détartrer que dans la cuisine, que voilà. Vous pouvez faire plein de choses avec ça, renseignez-vous sur internet, vous verrez. Et de la même marque Mariette, j'ai trouvé le super dégraissant au savon de Marseille, comme ceci. Et moi j'aime bien les formats spray. Donc voilà, 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 voilà. Et pour finir chez Action, je crois, ouais, pour finir chez Action, hop, j'ai trouvé ceci. Alors c'est des nouveautés au niveau maison. C'est alors il y avait plein de choses, il y avait pour la cuisine, il y avait pour multi-support, il y avait pour la salle de bain. Vous savez, un petit peu comme ceux qu'on connaît habituel, le rose, le bleu et le jaune, je crois. Et là j'ai pris le window cleaner, donc pour les vitres. Donc ils disent qu'il y a 99% de produits d'origine naturelle, pas de parabènes, pas d'allergènes. Et la bouteille est 100% en plastique recyclé. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal, cette histoire. Nettoyant écologique pour vitres, composants. Il y a un peu de parfum dedans, je sais pas. On va tester, hein, on verra bien, je vous dirai ce que ça vaut. En plus je dois faire mes vitres, donc ça tombe très bien. Oh, ça sent très bon par contre. Ça sent pas du tout du tout le produit à vitres. Ça sent très très bon. Donc je vais tester et je vous en dirai des nouvelles. Suivez-moi dans les vlogs. C'est bientôt fini, les gars, c'est bientôt fini. Ensuite, je suis passée chez Gisc et j'ai pris trois petites coupelles qui étaient en promo à 2 € pièce. Donc voilà, c'est typiquement le petit truc où je mets mon yaourt le matin pour manger avec des petites céréales, des petits trucs comme ça, une petite compote ou voilà. Donc j'en ai pris trois. Elles existaient un peu en saumonée aussi. Donc la première, elle est comme ceci. Voilà. La deuxième, c'est plus des espèces de petits losanges comme ça. Et la petite dernière, c'est des espèces de petites fleurs, je ne sais pas. Voilà, un petit peu pour les trois modèles. Et elles existaient, je vous dis, un espèce de corail aussi. Mais j'ai préféré cette couleur-là parce que c'est plus passe-partout. Et pour finir,
Je suis passée chez Jardiland et chez Jardiland j'ai pris ces petites serviettes pour ma maman parce qu'elle aime bien donner des petites serviettes quand elle a du monde à la maison. Et j'ai tout de suite pensé au chien de ma maman en voyant, j'ai trouvé que ça ressemble à Belle en fait, voilà. Et c'est marqué Home is where the dog is, donc la maison est où le chien est, tout simplement. Voilà, ça c'est pour ma maman. J'ai trouvé également une très jolie orchidée, elle qui adore les orchidées. Donc voilà, elle est magnifique, j'ai trouvé celle-ci. Elle était, c'est une phalaenopsis, une branche. Elle était à 14,99€, donc je vous dis les prix même si ma maman regarde la vidéo, je m'en fous totalement. Mais elle était en promo à 9,99€, mais de toute façon, promo ou pas, je l'aurais prise parce que je la trouve sublime. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Magnifique, magnifique, ouais. Et ma maman adore les orchidées et en plus, elle, elle sait les entretenir, hein, voilà. Et j'ai fini par prendre 3 plantes pour remettre dans mon extérieur sur mes appuis de fenêtre parce que celles que j'avais, elles ont grillé totalement avec la canicule. Donc j'en ai repris 3 pour remettre dans les petits pots. Le premier que j'ai pris, c'est un lierre comme ceci, mais je l'ai trouvé trop chou. Je sais pas pourquoi, il est complètement différent des lierres que je vois d'habitude. Je sais pas si vous allez voir, il a des toutes petites feuilles. Il est vraiment trop mignon. Donc ça, est-ce qu'il a... C'est un Nedera, exactement. C'est un Nedera. Et il était au prix de 5,95€. Ensuite, j'ai pris cette plante parce que je l'ai trouvée trop belle. Donc c'est avec du rouge comme ça. J'ai trouvé ça trop chou et j'aime bien cette espèce de... On dirait une fausse en fait, mais c'est une vraie. C'est un Phytonia Bubble Red et c'était 6,95€. Et la dernière, pareil, j'ai trouvé trop marrante. Ça se présente comme ça. C'est un Ripsalus Bassifera Oasis et il était au prix de 8,95€. Donc voilà, je crois que ça c'est plus une plante. Ouais, ça faut que je fasse attention parce que c'est entre 35 et 5 degrés. Donc je pense que c'est plus une plante. C'était marqué dans les plantes vertes, donc peut-être plus plante d'intérieur. Mais là pour l'été, elle ira dehors sans souci. Voilà, j'en ai fini avec ce haul un petit peu pour vous montrer tout ce que j'ai pu trouver ce matin. Voilà, ça me fait plaisir de vous faire ce petit haul. Je sais que vous aimez bien les hauls, mais en général, j'en fais pas beaucoup sur cette chaîne. Enfin, pas comme ça en fait, mais là, j'avais trop envie. Je pense que cette vidéo va faire 3 plombes. Mais c'est pas grave, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Et je vous dis à très, très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.